Salut à toutes et à tous, bonjour les gens, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon version Rouge Feu. Comme toujours, ici J12, en accompagné, pour ma voix, hein. Attendez les gens, je dois juste regarder si, ouais, ça tourne, donc ça tourne. Donc en gros, on s'était laissé la dernière fois. Ici, ouais, donc ça tombe bien d'ailleurs puisque j'ai une maison à la visiter. En gros, cette maison que j'ai snobée la dernière fois dans l'épisode d'avant, ou même encore bien avant, bah, en fait, je dois parler à ce mec. Je suis président du flat que des Pokémon, j'ai plus de 100 Pokémon, je suis trop méga tatillon quand on me parle de Pokémon. Alors, tu veux encore savoir des trucs sur mes Pokémon? Bien, écoute. On peut réfléchir, c'est Galopa, il est mignon, adorable, intelligent et incroyable. Tu crois pas? Oh oui, simplement, il est incroyable. Je l'adore, il est tout doux, quand je lui fais des câlins. Et puis aussi, oups, regarde l'heure. J'arrête pas de parler. Merci de m'avoir écouté, tiens, c'est pour toi. Ouais, donc voilà, une fois qu'il a fini de nous parler, il nous donne le bon commande. Et le bon commande... Voilà, merci. Le bon commande, comme je voulais dire, c'est l'objet qui nous permettra de recevoir une bicyclette dans... Si je me souviens bien, c'est dans Azuria. Donc voilà, hein, jusque maintenant, ça paraît plutôt logique. Même si, bon, quand j'ai vu la solution sur le wiki, j'y ai pas trop cru directement, vous voyez. Ah, comme quoi c'est surprenant, des fois, Pokémon. Oula, doucement. Notre perso fait un peu des conneries. Hein. On remonte. On coupe ceci. Parce que cela nous gêne. Et où est-ce qu'on va déjà? Dans la boutique. Où est-ce que se trouve la boutique? Ah ouais, elle se trouve là. Donc voilà. Donc ça, c'est la boutique de vélo. Ces vélos sont super, mais ils sont très chers. Un vélo de ville, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas de porte-bagages sur un VTP. Un VTT. Oh, mais c'est un bon de bicyclette. Ok, voilà ta bicyclette. Sinon, ça aurait coûté plus de 900 000 euros. Ok. Et même dans tous les cas, avec tout l'argent du jeu, vous auriez pas pu vous l'acheter. L'objet le plus cher du jeu, ou en gros. Voilà, nous voilà maintenant en possession d'une bicyclette. On va juste aller voir. Deux secondes. On va l'enregistrer. Et normalement... Oui, bim, bicyclette. Je veux une jolie bicyclette. Je la veux toute rouge. D'abord de une, on dit pas je veux ma petite fille. Et de deux, bah... Va parler au mec de fan club de Pokémon, il donnera un bon de commande. Voilà. Sérieusement, ici. Ouais, bon, ça c'est mon quête machin chouette. Et on continue donc. Ouais, par là. Ah oui, d'accord, il y avait un arbre à couper. Mais on pouvait pas passer parce que à niveau karma, enfin à karma sur mer, voilà, c'était bloqué. Et ça, on avait peu de chance de s'en souvenir qu'il y aurait eu un arbre comme ça ici parce que on passe directement à l'autre ville et on doit revenir en arrière. Donc, t'as des Pokémon avec toi, en garde. Tu le devines à ma ceinture, c'est ça? Alors, Misterbe. Pourquoi pas? Colossinge, c'est pas trop... ouais, casse-brique. Je fais casse-brique. Ça risque pas de le tuer en un coup. Ouais, quand même. Oh, t'es sérieux, mon poison. Au moins, ça me le fera changer. Chétiflore, on va changer. On va mettre au cous. Il va s'en donner à cœur joie.
Alors, bah, tornade. Hein. Que voulez-vous que je fasse d'autre contre un chétiflore? Si ce n'est une attaque vol. Encore un mystère, moi. Ah ouais, elle a 4 Pokémon tout de même. D'accord. Je comprends. Ou pas, peut-être. Bah c'est bien, au moins ça me fait... Ouh, elle a 2 Pokémon de chaque. Comme ceci. Chétiflore et Misterbe. J'aurais dû mettre au Coups. Mais bon, là c'est suffisant, il augmente d'un level. Et on va aller se soigner un peu au centre Pokémon, vu que notre Colossinge a pris gros. Ou ça va être juste au niveau des PV. Non, c'est bon. Notre Ferrosinge ne crèvera pas. Si c'est pas beau, ça. Les Pokémon sont en super forme, à bientôt. Ok. Ah, attendez, mauvais bouton, voilà. Oh merde, faut repasser de l'autre côté. C'est pas chiant ça. Mais pousse-toi. Pas n'importe quoi le personnage. J'allais appuyer sur le bouton milieu de ma Xbox. Ce qui aurait fait que je n'aurais pas pu continuer de bouger. Puisque la manette se serait éteinte. On va éviter de passer. Bah, quoique non. C'est bon en fait. La CT40 Aeropic. Bah oui, tu trouves une CT comme ça toi. Bouah. Allez. Viens prendre ta pâtée. Miaou. Je suis pas un chat. Mentalement peut-être, je suis pas sûr. Mais tu me dis pas à moi de me prendre ma patte. What? Attends. Ah ouais d'accord, non, c'est parce que Magikarp était KO, sinon il était en premier. En fil de tête. Ah mais quand même, c'est un. Ça m'a un peu surpris. Gros yeux, tu es sérieux toi. D'ailleurs on va continuer d'entraîner Magikarp. Ça ne sera que bénéfique pour nos futurs badges. Parce que avoir un Léviator, je dis pas non. Onyx. Bon, on va foutre un Magikarp parce que Onyx, ça donne beaucoup de PV. D'XP. Regardez, il est déjà level 16. Ça augmente. Le mec qui est déjà level 16, ça augmente. Waouh, ça sert à rien de faire armure, mec. Je vais te faire un casse-brique, tu seras out. Regarde, tu veux test? Ouais, pas la peine de lui faire un bras de fer. Hein. KO direct. Que 231? J'aurais cru plus. Dans mes souvenirs, ça donnait plus d'XP que ça. Ça m'a quand même 200, ça m'a quand même donné au total vers les 500. Mais qui voilà les bras chargés de Pokémon. Ok, j'ai des Pokéballs sur mes bras, moi, maintenant. Mon personnage, il tient ses Pokéballs à bout de bras. Il les met pas, genre, à sa ceinture. Enfin, bref. Ok, d'accord. Je le sens mal. Tu me fais pas d'hurlement, hein. Bon, ça, il me fait gros yeux. Parce que je les connais, les coquins. J'ai pas compris ce qui s'est passé, là. À mon avis, je pense qu'il m'a fait l'attaque flair. Ça a peut-être lagué en même temps, je sais pas. Merde!
Ah oui, j'ai... D'accord. Un salamèche. Un salamèche. Ah oui, mais du coup, Magikarp, t'as pas reçu l'XP. Eh oui. C'était mort, on n'empêche. Ah oui, je vais essayer de le tuer avec Magikarp. Ça va tellement être... J'imagine qu'il va me tuer en un coup. What, Magikarp plus rapide qu'Akaninos? Non mais regardez-moi ça. Oh purée. Paf, je suis fini. Bravo Magikarp, tu as mis KO un de ces Pokémon. À toi tout seul. D'ailleurs, mes cocons de Pokémon me prennent beaucoup de temps. Hein? Quoi, tu éclos dans un cocon, toi? T'es bizarre. Oula, un Dardanian. Ça rigole plus. Puissance. Ouais, on s'emballe un peu. Puisque tu vas crever. Quoi? Putain, le chanceux. Ouais, juste tu pourrais. Ouais. Pas exagéré non plus. Ouais, level 17 Magikarp. C'est cool. Un autre Dardanian. Bah, tant qu'à faire, on va laisser Magikarp. Level 19 aussi. Quand même. Fury. Ça fait pas vraiment bien mal tout ça. Hein. Mais c'est quoi ces conneries? Attends, il doit avoir une défense spé de ouf, Dardanian quand même. J'ai 10 niveaux de plus que lui. Ou alors attendez. Alors, j'ai une bonne attaque, une bonne attaque spé. Elle est pareille. Niveau défense et défense spé, c'est moins bon que la vitesse. Et encore, je trouve ça bizarre parce que mon Salamèche n'avait pas une bonne vitesse de base. Mais bon, c'est bien, moi je trouve. Il est moyen. Niargue, quelle perte de temps. C'est toi la perte de temps. Quoique bon, il suit 2 XP donc c'est pas, ça perd pas tant de temps que ça. Je suis sûr il y a un truc ici. Ouais, ça sentait qu'il y avait un truc. Et puis bon, tu perds pas beaucoup de temps à aller chercher. Hein. Y a quoi par là? Y a rien. C'est quoi? Route, Azuria, ouais, grotte. Enfin bref. Attendez, les gens, y a quoi au-dessus? Mais what the fuck? Arrête de bouger bizarrement. S'il te plaît. Y a pas mal de dresseurs quand même. En avant, mes Pokémon insectes. Ouais. En avant. Ils vont juste se faire tuer, mais c'est pas grave. On va mettre Roucoups sur le devant de la scène. Allez, vas-y Roucoups. Waouh, sécrétion. Je suis moins rapide. Je suis toujours plus rapide que toi. A priori. Bref, voilà. Ça m'aurait étonné le contraire. Suivant. On va dire que c'est un peu lui la perte de temps, hein, vu que 100 d'XP seulement. C'est pas...
Beaucoup. Oh non, non. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Voilà, genre, j'attends un tour, qu'est-ce que je récolte? Un empoisonnement. Putain, bordel, purée. Oh, Mimitos. Un Mimitos. En attendant, là, j'ai une paralysie à soigner. Il va arrêter de faire n'importe quoi le jeu, là. Hop, on va lui donner. Non, pas de super. Quoique le super bonbon, ça nous permettra d'avoir un Magikarp plus rapidement. Enfin, un Léviator plus rapidement. On va le conserver bien au frais, au chaud. On a pas mal d'objets intéressants dans notre sac. C'est cool. Ok. Je passe par la grotte pour aller à l'avant-ville. Hein, il faudra bien qu'on y aille aussi, nous. What? Autant de Pokémon que ça? Mais non, mais... Je demande pas à m'enfuir, moi. J'ai besoin de m'enfuir. J'ai pas peur de lui, moi. Ah, Mimique, si tu veux. Point karaté. Ça va, ça fait pas trop mal? Un petit peu. Ouah. Kédouillé. On va mettre Magikarp le plus possible dans la bataille. Et là, on va mettre Papillusion. Histoire qu'il prenne un peu d'XP. Au passage, il prend pas tant de dégâts que ça. Mais bon, c'est pas la folie non plus, hein. Et on va changer contre encore Papillusion. Choc mental devrait suffire. Ah, même pas. Adafuk. Ah, il y aura bien un moment où Magikarp... Pokémon. Je vais être Reptincelle. Non. Faut le tuer en un coup, lui, parce que là... Il pourrait m'énerver plus qu'autre chose. Et on a level 18. Ça vient, les gens. Ça va venir. What the fuck? Bah attends, t'es sérieux? Tu me vois pas? T'as l'air coriace, toi. Ouais. On va dire que je suis coriace, ouais. On va mettre Colossinge. Attaque ratée, ouais, ça c'est cool. J'aurais pu faire autre chose que casse-brique. Ça l'aurait tué quand même. On est à deux doigts d'avoir un Léviator, les gens. Waouh, ça fait très mal ta technique. Tu peux essayer la mienne? Ouais, c'est ce que je pensais. Petit bug de manette. Point karaté sur Oukoups. Ça sera pas très efficace. Sérieux?
Il faut que je te fasse tornade deux fois. On voit que t'abuses un peu là. Dur, très dur. Ok. Si tu le dis. Pas de contredire. Traite-moi avec respect. Bah. Ouais. Ouais. Je veux bien. Un miaous. Ça a grave fait augmenter notre nombre d'XP, ça. Jackpot. Alors, je ne mérite que ton dédain. Lol. Ça, c'est quoi ça? J'ai l'impression d'avoir appris un nouveau mot ici. Ça veut dire quoi ça? Dédain. Pourquoi ça me pose une colle? Je connais ce mot. Dans des gens, ici il y a forcément. Ou alors pas ici, mais là. Non, rien du tout. Ok. Ah, un centre Pokémon. Ça, ça fait plaisir. Hop, on va parler à peu près tout le monde. Ouais, non. Ah, d'accord. On s'en fout de la piastase. Sérieux, le mec, il me donne des trucs inutiles. Moi, je veux le muter, expert. Ouais. Un peu d'utile ce qu'il m'a dit l'autre. J'ai vendu une pépite pour 5000. Ouais, c'est pour te dire, ouais, tu vois les pépites, ça rapporte super gros. Bah, il a pas tort le mec. Hop, hop. Ah ouais, quand même, on a trouvé un anti-brûle. Bien de battre si tu oses. Bah, j'ose. Tu vois pas, mec, regarde, j'ose. 21. Bon, bah, Jijarp, il va dire merci. Boule armure, c'est bien. De toute façon, en un coup, je te taille. Sérieux, ici? Bah, attends, mais les défenses des racailloux sont pas super abusées? On dirait. Au pire, on va faire casse-brique. Voilà, comme ça, on est sûr qu'il crève. Tu m'as bien eu. En quoi je t'ai bien eu? Alors, ça, c'est fait. Alors, on va juste aller quelque part un peu dans les hautes herbes, histoire, bah, pas de trouver des nouveaux Pokémon, en tout cas. Alors, notre Magikarp devrait... J'ai pas dit de faire trempette. Il devrait s'en sortir tout seul. Ouais, non, en fait, il pourra pas s'en sortir tout seul. Mais pourquoi je prends la fuite, moi? Merde, j'ai besoin d'XP. Ah, niveau 16, c'est déjà un peu mieux. Oula, mais arrête de faire n'importe quoi le jeu. Alors, il va attaquer, ça va pas le tuer en un coup. Ouais, voilà, il m'a fait rugissement. Et c'est suffisant pour me faire chier. Oh là là, que 66. Allez. Oh, un Voltorb, les gens. Ouais, mais je vais pas le capturer. Attaque. Non, il est trop... Il n'y a pas assez d'attaque. Mon Magikarp. Ça a toujours pas suffi. Ah là, ça suffit quand même, ça va... Rassurez-moi, ça va suffire. Parce que là, en plus, c'est un niveau 16. Bah,
Tenez d'ailleurs, non, on va pas le capturer. On va le tuer. Voilà, Magikarp niveau 19. Et attention les yeux. Attention les yeux. Voilà. Magikarp évolue. Et pas en n'importe quel Pokémon. Oula, ça va être cheaté, je le sens. Léviator. Yeah. Félicitations, votre Magikarp évolue en Léviator. Ah, tout de suite, là, il rigole moins. Hein. Et il la prend en morsure. Il nous sera bien utile, le coco. Du moins, j'espère. En priori, oui. Je me réoccupe de mes Pokémon. Et là, cette fois-ci, Léviator, on est en tête de liste. Il doit prendre des niveaux. Hein. Bah, tenez, on a... Comment on pourrait dire ça ? On a un cobaye. Je reviens de l'arène Pokémon, mais je perds tout le temps. Bah ça va pas ranger les choses, t'sais, avec moi. Oula, Pikachu. On va peut-être éviter de mettre Léviator contre lui. Hein? Juste pour éviter. À la place, on va mettre Étincelle. Parce que vol et eau, si je me prends un type électrique là-dessus, je suis mal, quoi. Sérieux? Il avait loupé. Mais Luffy, à la limite, on peut mettre Léviator. Ça causera pas trop de soucis. Level combien? Level 20. Alors, il est pas de type fée, hein. Dans cette version-là. Donc, morsure, ça lui fout. What? Ok. Et il est charmé en plus. Bah oui, oui, tout à fait, oui. Je comprends. Ou peut-être pas. Ah, cette attaque, elle existait déjà. L'attaque par ici. Hop, ça s'est fait. Ben voilà, j'ai encore perdu. Ouais, mais t'étais pas si mauvaise que ça, quand même. On va juste les gens se laisser ici pour cet épisode de Pokémon version rouge-feu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou un pouce vert pour me faire voir vos retours. Parce que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de Pokémon. Et de toute façon, les autres SPGBA aussi en général. Et on se retrouvera pour la suite des épisodes. En attendant, c'était J12 pour vous servir. Bonne vidéo à toutes et à tous. Ciao et peace.